Bonjour, je m'appelle Odile Cornu, je suis autrice et j'écris depuis une vingtaine d'années pour le théâtre, pour la radio, de la poésie, des textes fragmentaires. Voilà, j'aime les mots vivants, j'aime les mots en contexte. Et là, je me dirige pour la première fois vers un roman. Ce qui m'intéresse, c'est la diversité des genres, des formes littéraires, c'est l'exploration à travers les mots, et puis c'est vraiment ce qui donne sens à ma vie, et j'aimerais beaucoup pouvoir le partager avec les lectrices et les lecteurs qui le voudront bien. Fusil, c'est l'histoire d'une séparation. 20 ans après cette séparation, un homme appelle une femme au téléphone et lui dit: j'aimerais récupérer mon fusil. Elle lui dit: ben, moi, je l'ai perdu, il est plus là, il a été débarrassé avec les affaires de la maison. Et ensuite, on entre dans cette histoire, le début de ce couple, un homme, une femme, et cette femme qui a déjà une enfant, joyeux au départ, et petit à petit, avec la banalité du quotidien, avec l'attention à l'autre qui ne se fait plus, voilà, le temps qui délite une histoire et l'enfant qui est aussi témoin de ce délitement. On avance dans le livre à partir des objets. Moi, j'ai travaillé à partir. Tous les chapitres commencent avec un objet que j'ai dessiné aussi également. Et on passe du congélateur à la trottinette, à la piscine, à la niche, pour essayer de reconstituer le fil de cette histoire.